On poursuit avec une image forte, c'est le nouveau visage de la révolte en Iran, mais également celui du courage. C'est celui d'une étudiante dont on ne connaît pas véritablement le nom avec certitude. Oui, alors elle a été arrêtée samedi à Téhéran pour une tenue qui a été jugée inappropriée. Interpellée pour un voile mal porté, la jeune femme s'est ensuite déshabillée pour marcher en sous-vêtements. Un courage immense qu'elle risque de payer au prix fort. Anaïs Baucher. La scène est devenue virale sur les réseaux sociaux. Assise devant le campus, cette étudiante iranienne n'est vêtue que de ses sous-vêtements. Elle se lève pour déambuler, ses longs cheveux détachés, sous le regard sidéré de la foule qui s'est assemblée autour d'elle. Un acte de protestation inouï alors qu'elle vient d'être violemment réprimandée pour un voile mal porté. Quelques instants plus tard, on la voit jetée de force dans une voiture par des hommes en civil. Depuis la mort de Mahsa Amini en septembre 2022 et le mouvement Femmes, Vie, Liberté qui a suivi, des Iraniennes continuent de lutter pour avoir le droit de s'habiller comme elles le souhaitent, malgré une répression féroce menée par le régime. Cet acte de résistance a déclenché une vague de soutien au niveau mondial. Amnesty International réclame la libération immédiate de la jeune femme. Aujourd'hui, tout le monde est derrière cette jeune femme et revendique la dimension politique et collective de son acte. Et c'est là aussi où la société est en train de se positionner par rapport aux héritages du soulèvement Femmes et Liberté, c'est-à-dire qu'elle est complètement alignée avec cet héritage-là. À l'heure actuelle, personne ne sait exactement où se trouve la jeune femme, ni si elle est toujours en vie.